Le projet startup, c'est Sovi. Sovi, qui est une solution digitale qui facilite la prise en charge en cas d'urgence en permettant aux pompiers et aux policiers de rapidement alerter des proches dans un contexte où il y a beaucoup d'accidents au Burkina Faso. Et aussi, nous ne disposons pas d'assurance maladie universelle, donc vraiment la présence des accompagnants, des proches, des victimes est nécessaire. C'est un bracelet muni d'un code QR que les pompiers peuvent scanner et qui peut envoyer des alertes automatiques, instantanées, aux proches de la victime. La valeur ajoutée de Sovi, c'est vraiment l'aspect TIC, parce que nous sommes dans un contexte où le taux de pénétration des portables est de 101% au Burkina Faso. Donc autant utiliser ces téléphones que nous tenons tous dans nos mains afin de pouvoir répondre à une problématique vraiment qui touche notre communauté. Nous sommes incubés depuis 2019 à Beogo Lab, qui est un incubateur qui bénéficie de l'appui du PNUD dans le cadre de ces deux programmes. Donc c'est à travers eux vraiment que nous avons pris connaissance de toutes les activités, de tout le renforcement de capacités qui nous étaient données. Au cours de ce programme, nous avons eu des formations en termes de management, de gestion RH, de montage de projets, de montage de plans d'affaires, mais également des compétences plus pointues. Nous avons acquis des compétences plus pointues en termes de finance et de scale-up pour une start-up. En plus de nous accompagner, nous aimerions également que le PNUD et ses partenaires deviennent nos clients afin de pouvoir nous permettre de prospérer et de passer du statut de start-up au statut de PME.